La loi Leonetti a vraiment incité les équipes à s'asseoir pour réfléchir et discuter. Comment on fait en pratique pour accompagner cette fin de vie? Et là, la loi a peut-être eu des effets moins positifs parce qu'elle a caricaturé une frontière entre le laisser mourir d'un côté et le faire mourir de l'autre. Elle a dit, la façon d'accompagner une fin de vie doit toujours être du laisser mourir. Et vous ne devez jamais faire du faire mourir. Le texte de mars 2015 stipule le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès à la demande du patient, c'est-à-dire le droit à être plongé dans un coma artificiel. La nouvelle loi dite Claeys-Leonetti, parce que finalement c'est une loi de consensus politique, cherche à améliorer ces choses, je pense, lorsqu'elle introduit cette possibilité, ce nouveau droit d'accès à la sédation terminale continue, profonde, à la demande du patient. Je ne suis pas sûre qu'elle soit suffisante pour lever cette ambiguïté entre le laisser mourir et le faire mourir. Ce que j'ai entendu de M. Leonetti, c'est dire « nous allons ouvrir un droit à être endormi avant de mourir ». Mais pas à avoir une mort précipitée. Et donc, il est possible qu'un certain nombre d'équipes se freinent à nouveau et disent « d'accord, on va endormir les gens, mais on ne va pas précipiter les choses ». La proposition de loi Claeys-Leonetti renforce également le droit des patients à exprimer leur volonté par des directives anticipées opposables aux médecins. Il me semble qu'un patient est capable de dire « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique » ou « j'en veux » ou qu'il est capable de dire « je suis tout à fait contre une aide active à mourir et une précipitation des choses » ou au contraire « je suis pour ». Mais je ne vois pas un patient être capable de dire « à tel moment, je voudrais telle dose de sédatif » ou « je voudrais qu'on m'arrête totalement l'alimentation et l'hydratation » ou « je voudrais qu'on m'endorme profondément » ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à anticiper, précisément. Et les gens, nous avons un grand travail de recherche actuellement auprès de patients qui sont des patients atteints de cancer à une phase évoluée de la maladie. Et leur question, finalement, est souvent « comment je vais mourir ?» Si je pouvais savoir comment ça va se passer. Ce n'est pas tellement « quand » qui m'intéresse que « comment ». Et c'est très difficile de leur répondre. Par contre, ce qu'ils ont envie de faire valoir, c'est leur conviction intime, c'est-à-dire je n'ai pas envie que ça pèse sur mes proches, ou j'ai envie que ça se passe à domicile, j'ai pas envie qu'on précipite les choses parce que je suis contre toute euthanasie, ou au contraire, si vraiment ça existait, j'aimerais bien que ce soit ça. C'est ça qu'ils nous disent. Voilà. Et ça, dans des directives anticipées, c'est pas du tout prévu aujourd'hui. Selon les textes, le rôle du médecin doit être de laisser mourir et non pas de faire mourir. Or, la frontière entre les deux est parfois fragile. Quand on arrête totalement l'alimentation et l'hydratation, est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'on n'est pas dans du faire mourir? Comment voulez-vous que quelqu'un résiste à un arrêt total d'alimentation et d'hydratation? Est-ce que ce n'est pas hypocrite de dire « nous ne faisons pas mourir, nous ne faisons que laisser mourir » Les gens ne comprennent pas cette subtilité-là. Pour eux, débrancher un ventilateur qui amène de l'air pour respirer est aussi une façon de faire mourir. Autant que d'arrêter l'alimentation et l'hydratation. Et donc, je pense vraiment que ça serait plus acceptable et plus compréhensible pour les gens que les médecins assument ce qu'ils font à ce moment-là. Ils se mettent autour de la table, ils discutent avec le patient, avec ses proches, et si véritablement on pense qu'il n'y a plus rien à faire, alors on l'accompagne et on lui demande comment il souhaite être accompagné. En étant endormi, en n'étant pas endormi, en étant traité, jusqu'où, combien de temps, etc. Ça se discute tout ça avec le patient. En réanimation néonatale, il arrive qu'un nouveau-né soit réanimé et survive, mais avec des séquelles lourdes et irréversibles. C'est une situation dramatique en néonatologie qui a toujours existé. Et vis-à-vis de laquelle les réanimateurs cherchent désespérément comment ils peuvent faire à ce moment-là. La loi Leonetti les a engagés à réfléchir autrement et à ne plus faire des arrêts de vie, comme parfois ils se résolvaient à le faire, pour que cet enfant ne survive pas quand ils imaginaient que c'était
vraiment pas un cadeau à lui faire que de poursuivre sa vie dans ces conditions. Depuis la loi Leonetti, les réanimateurs néonataux proposent autre chose et proposent d'accompagner cet enfant et de le laisser mourir avec un accompagnement palliatif. Sauf que l'accompagnement palliatif qu'on utilise chez les adultes ne marche pas en néonatologie. C'est-à-dire qu'un adulte en phase terminale d'un cancer, si vous arrêtez de le nourrir et d'hydrater et que vous lui mettez un peu de morphine et de Tylenol, les choses vont se passer très tranquillement et en douceur. Alors que pour un nouveau-né, ça ne va pas se passer comme ça. Il ne va pas mourir. Il va mettre 15 jours, 3 semaines à mourir. Et ça, c'est insupportable pour tout le monde, pour les parents et aussi pour l'équipe soignante. Ces dernières années, les tribunaux ont été appelés à se prononcer sur plusieurs affaires relatives à la fin de vie. Qu'un certain nombre d'affaires soient judiciarisées me paraît inévitable. Ce que j'ai pu dire à certains moments, c'est qu'il me semblait que sur la question stricte de l'obstination déraisonnable, il m'apparaissait que le jugement pouvait difficilement être un jugement objectif fait par un juge dans un tribunal. Voilà. Parce qu'il me semble que c'est extrêmement difficile de dire que telle situation vaut obstination déraisonnable et telle autre ne vaut pas obstination déraisonnable. Pour moi, un traitement peut être raisonnable pour un patient et le même traitement déraisonnable pour un autre patient. Soit parce qu'il l'estime lui ou sa famille, soit parce que son état n'est pas le même. Alors que les rites funéraires occupent une place moins importante qu'avant, Véronique Fournier plaide en faveur d'un accompagnement ritualisé, familial et apaisé des personnes en fin de vie. Le bien mourir, pour moi, passerait par la possibilité de proposer à chacun un accompagnement sur quelques jours où on ait le temps d'être autour de celui qui s'en va, en famille, et dans un espèce de temps suspendu qui durerait pas trop longtemps, parce que dans le monde contemporain, on n'a pas beaucoup de temps, mais qui durerait suffisamment longtemps, une fois de plus, pour que ce soit un temps fort de la personne qui s'en va et de la famille. Et il me semble que la médecine devrait être au service de cette façon de faire. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre la nécessaire ritualisation sociale de l'avant-mourir, qui me paraît aujourd'hui une demande très forte du corps social, presque en train de remplacer l'accompagnement d'après la mort, c'est-à-dire le rituel d'enterrement qui aujourd'hui est plus compliqué pour les gens. Et ces moments-là, de l'accompagnement pré-mortem, du moment où on se retrouve au chevet de celui qui s'en va, on ne s'est pas vu depuis longtemps, on n'a pas pris le temps d'échanger, et bien avoir comme ça 3-4 jours où on lui tient la main, où on est là, où on est content d'être là, on a l'impression de faire partie de la même histoire et de la même famille, et de faire le mieux pour lui, il me semble que c'est la meilleure façon d'honorer les liens sociaux et familiaux aujourd'hui que d'accompagner les morts de cette façon-là.